quand tu seras mort. Take the night. Un peu je t'entendre du sera. Take the night. Tu ne perds rien pour attendre. Je saurai bien te descendre. Je compte en avoir ta peau, vieux chameau. C'est le vice. Mais bon, bon les points que vous Alain, prenez, c'est parce qu'il joue avec moi. Alain, il passe à la caméra. Écoute-moi, Alain. Moi, je veux partir avec Michel Flomande. Je veux que tu filmes. Parce que les Fanny, ça se filme. Ah, c'est quel jour vous faites cette partie-là si tout va bien. Je pense que si tout va bien. Ce soir, ou peut-être demain. Demain, à quelle heure? Il n'y a pas le terrain. Ben, alors, quelle heure? Vers 19h? Il n'y a rien alors. Parce que j'ai oublié les boules au latin. Ben, il en a en plastique. Mais moi, je joue sur le goudron, je t'emmerde. Bravo. Bravo, Michel. Tu vas bien? Moi, je joue sur le goudron. Là, ils vont pas prendre là. Je vais vous présenter ma famille. Nenato, à la guitare et moi. Georges Reyes, guitare et moi. Le petit-fils de Manita de Plata, Paco de Plata. Le premier guitare, Mario Regis. Et pour nous accompagner, le groupe Candela, le père et les enfants, pour Candela. Et bien sûr, sans oublier, Hermano. Bonsoir. Alors, vous êtes régalé? Oui, oui, on a passé un bon moment ce soir avec tous ces artistes. Donc les estivales sont devenues un moment important dans la vie culturelle lorgaise, puisque chaque année, le public vient nombreux et fidèle pour passer un bon moment comme ce soir. Ouais, en plus ce soir c'était chaud, hein. Tout le monde debout, tout le monde dansait, je vous ai vu battre le rythme. Oui, il y avait beaucoup d'animation avec un orchestre, donc Manolo, que nous connaissions déjà, puisque pour la première fois nous le voyons en vrai. Et tout le monde était assez chaleureux et a dansé sur... Alors une confidence, dans la première partie, quand vous faites chambrer par l'humoriste, ça vous fait rire? Oui, très honnêtement, ça me fait rire. C'est un truc que je m'y attendais, puisque... On était venu rechercher un petit peu des confidences auprès de ma femme. Donc c'était pas franchement une surprise. Non, mais ça m'a fait beaucoup plaisir, ouais. Finalement. Ouais, c'est toujours bon enfant, hein. Ouais, tout à fait, j'aime bien me moquer des autres, donc il n'y a pas de raison qu'on se moque pas de moi quelquefois. Eh bien écoutez, monsieur le maire, à l'année prochaine alors. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci au revoir. Merci beaucoup, au revoir.